Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler des slots de... Enfin, des offres gratuites que beaucoup de gens ne sont pas au courant et qui peuvent pas mal vous aider, je pense, dans le jeu. Alors oui, il n'y a pas la caméra, tout simplement parce que par obligation professionnelle, vous savez que je travaille dans le médical, on m'oblige à me raser la barbe. Et clairement, j'ai pas envie de montrer ma face sans barbe. Voilà pour le petit point qui a aucun rapport, mais juste pour vous expliquer pourquoi il y aura plus de, caméra pendant le temps où je n'ai pas de barbe. Ça fait 20 ans que j'avais ma barbe, maintenant je l'ai plus. Bref, du coup, pour les offres dans le cash shop, qui sont des offres gratuites ou pseudo gratuites, indispensables. Il faut savoir que Pearl Abyss vous donne régulièrement des perles noires. Surtout quand il y a un nouveau personnage. Quand il y a un nouveau personnage qui sort, comme ils l'ont fait avec la sorcière, comme ils l'ont fait avec la DK, ils vous donnent un nombre conséquent de perles noires. Et vous pouvez voir dans commodités et divers, inventaire et poids, non, c'est dans autres. Dans autres, vous avez des billets d'extension d'emplacement de personnages qui coûtent 120 perles noires par emplacement. Vous êtes obligé de les acheter pour diverses raisons que je vais vous expliquer après. Mais en gros, par exemple, quand ils ont sorti la DK, Pearl Abyss nous ont donné 1000 à 1200 perles noires. Ce billet coûte que 120 perles noires. Donc autant vous dire qu'ils vous le font cadeau. Donc clairement, il faut le prendre. Vous posez pas de questions. Donc à quoi ça sert? Donc ici, voilà, ça sert tout simplement parce que chaque fois que vous allez sortir un nouveau personnage, eh bien, il faut l'avoir pour la FC de famille. Donc vous voyez, moi j'ai tous mes persos. Bon, il me manque un, hein, je pourrais faire la Valkyrie ou... la Valkyrie ou je sais plus quel autre personnage. Pour la FC de famille, alors à quoi ça sert? La FC de famille, ça sert surtout pour la tour d'entraînement. Donc je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui est la vidéo justement tour d'entraînement. Et pour ce faire, il faut avoir, pour avoir le bonus des 400 FC que vous voyez ici, il faut deux classes différentes. Sinon ça ne marche pas. Si vous mettez deux archers, vous n'aurez pas le 400 bonus FC additionnel de la classe. Voilà, en gros, c'est un FC bonus si vous jouez avec deux classes différentes. Ça, à savoir que je l'avais déjà expliqué un petit peu en commentaire d'une de mes vidéos. Mais il faut 8000 FC pour arriver au dernier niveau. 8000 tout pile, hein, 799 vous le passez pas, 8000 vous le passez. 8000 avec les bonus compris. Donc là, vous voyez que je dépasse les 8000. Hein, je suis à 8160 des cacahuètes, quoi. Si je suis pas trop teubé en maths. Et c'est tout. Et après, à terme, on va avoir des nouveaux étages qui vont débloquer. Et on aura besoin de 3 persos, puis 4, et etc., etc. Donc il faut continuer de monter la FC de nos rerolls. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Je vous en dis pas plus. Je vous ai donné des conseils déjà sur ma vidéo en question de la tour d'entraînement. Mais tout ça pour faire le lien avec l'intérêt de débloquer les slots de personnages. Chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui sort, il faut que vous le débloquiez. Il faut que vous le montiez jusqu'au niveau 60 au moins. Assez rapidement et puis voilà, donc ça permet surtout ça, les nouveaux slots de personnages qu'on achète donc dans la cash shop, commodités et divers, et dans autres. Ici, je vous conseille de tous les acheter. Ensuite, il y a des offres gratuites dont j'ai déjà pu parler dans d'autres vidéos, mais je vais refaire un topo dans cette vidéo sur toutes les choses intéressantes à acheter. Donc tout ce qui est limitation de poids, extension d'inventaire, qui s'achètent en perles noires. Donc ça aussi, c'est des achats indispensables à mes yeux, surtout qu'ils sont gratuits, toujours pareil, puisque Pearl Abyss vous donne des perles noires sur votre main. Par contre, moi, je vous conseille de faire ça uniquement sur le personnage que vous allez être main. Donc les offres en perles blanches, vous voyez bien, je ne les ai pas achetées. Pour moi, je trouve ça totalement inutile. Donc je vous encourage pas du tout à le faire. Par contre, les offres en perles noires sont très intéressantes. Alors, je sais plus combien ça coûte, hein, mais... celle-là, je sais plus comment elle coûte, mais bon, pour moi, tout ça, c'est bien. Tout ce qui est en perles noires, c'est bien à prendre. Ici, tous les jours, dans divers, vous avez les soupes, les coffres de soupe au poulet. Et ça coûte une perle blanche, une perle noire, pardon, par soupe. Tous les jours, vous gagnez une trentaine de perles noires gratuitement. Donc ça, c'est l'indispensable à acheter. Tous les jours, vous achetez vos 3 soupes. Pour les plus riches, on va dire, si on peut dire ça riche, vous pouvez aussi acheter la soupe spéciale donc pour 9 perles blanches tous les jours. Bon, moi je le fais plus, hein, parce que je trouve pas ça forcément nécessaire, mais quand vous faites un reroll et que vous l'équipez vraiment vite, bah, c'est toujours bien de les avoir en plus. Bon, moi je considère que non, mais je l'ai eu fait pendant longtemps. Et donc pour vous montrer comment aussi on fait ces fameuses perles noires gratuitement tous les jours, bah, c'est avec les quêtes de défis quotidiens. Donc vous voyez que déjà de base, quand vous avez fini 3 défis, vous avez 5 perles offertes. Quand vous avez fini
6 défis, vous en avez encore 5, et quand vous avez fini 9 défis, vous en avez 10. Donc déjà là, ça fait 20 perles noires. Ensuite, vous avez la perle noire en faisant la reine, la perle noire en faisant le géopoint, en utilisant de l'endurance, etc., etc. Donc ça fait pas loin de 30 perles noires offertes tous les jours, ou 25, voilà, si on peut être précis. Minimum, déjà, voilà, c'est, vous avez ça, donc c'est pour ça que je considère que c'est gratuit. Ensuite, je fais un petit tour d'horizon sur les offres, mais je pense que c'est à peu près tout. C'est surtout dans commodité et divers hein, que les offres se trouvent. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour des offres gratuites que moi je vous conseille dans le shop. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo toutes les semaines, à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre, des nouvelles offres, des nouveaux bundles en gros, on va dire comme ça là, pour vous dire, ben ceux qui sont prêts à mettre 50, 100, 200 euros par mois, si vous voulez que je vous donne des conseils pour comment optimiser vos dépenses, faites-moi des commentaires, faites-moi des demandes de ce genre de vidéos et j'essaierai de vous faire toutes les semaines une vidéo sur les dépenses qui valent le coup et celles qui, à mes yeux, ne valent pas la peine. Après, si parmi vous, il y a des gens qui sont des, entre guillemets, grosses baleines et qui mettent 500 000 euros par mois, bon, c'est une autre histoire. Je pense que si vous en êtes à ce stade, vous n'avez pas besoin de mes conseils. Mais sait-on jamais. Je peux vous aider à optimiser vos dépenses, peut-être. Voilà, c'était une petite vidéo afin de vous aider un petit peu sur des éléments que peut-être vous n'aviez pas connaissance. Voilà, les soupes, les slots de personnages, d'inventaire, etc. J'espère que ça vous aura aidé. Comme d'habitude, vous voyez au-dessus de mon curseur, là au-dessus des familiers, mon petit code de renommée qui vous permet de gagner des perles noires et tout un tas d'autres bonus gratuitement à partir du niveau 20 et ça jusqu'au niveau maximum tous les 10 niveaux. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici sur les trois petites barres et d'aller dans « Relations ». Renommer l'aventurier et de remettre mon petit code ici tout simplement. Voilà, ensuite comme d'habitude en bas de vidéo vous avez les liens pour le groupe Facebook de la communauté française qui vous pouvez vous retrouver avec n'importe quel personnage qui joue, que ce soit sur Valenos, Velia ou Delph. Il y a aussi un Discord qui est clairement créé pour la communauté FR afin de vous aider à trouver des guides, tout simplement pour demander des conseils. Donc n'hésitez pas à en user et à en abuser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, à partager la vidéo, tout ça, tout ça. Donc je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Ciao, ciao !